On va avancer. Alors là, les entraînements, tout ça, ça se fait automatiquement et c'est, faut reconnaître, plutôt bien géré de manière automatique. Je sais pas, y a pas trop de soucis avec ça. Ah, par contre, c'était entre 80 et 90, je suis tombé tout pile à 80. Du coup, mon gars, il est dans la pire forme possible. Bon, c'est pas un souci. De toute façon, je vais pas pouvoir faire grand chose là-dessus. Ah oui, c'est vrai, de base, moi je simule pas les courses. Je les fais toutes. Je les fais toutes. Hop. Ah, du coup, ça a coupé le son. Ouais, d'ailleurs, c'est vrai qu'il n'y a pas de son en course. Ça, c'est un truc que je comprends pas. Vraiment. Bonjour à vous, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, c'est une journée. Où est la musique ? Se mettre en évidence. Le PCM 2016 ou 2017, il y avait encore la musique, et après, ils les ont enlevés. Je comprends pas. Non merci, je souhaite pas activer le tutoriel, ça va aller. Top, alors. Puncher Slider, tu pourrais profiter d'une petite difficulté dans le dernier tiers de la course. On regarde bien le profil. Pour animer la course et pourquoi pas créer une échappée décisive. Top 50. Ça. Bah du coup, je vais essayer de me mettre en échappée. Si on peut passer. Si on peut passer. Plusieurs coureurs sont en train de. Alors vas-y, je t'attaque toi. Toi je te sens bien toi, non? On a un peu de vitesse. Un peu. Aucun. Bon ok, je vais essayer d'y aller. Ah ils m'attendaient eux hein. Hop. Je les attends. J'ai quand même une belle note en pleine, donc il y a moyen que je leur fasse mal quand même quand j'accélère. Regardez devant, quelques coureurs tentent de s'extirper du peloton. Là, je vais accélérer parce que eux ils sont pas décidés à rouler et en même temps ils ont raison parce que ils ont deux copains derrière. Ça m'embête un peu. Bon, c'est pas grave. Hein. On avance, on avance. Bon, finalement, c'est eux qui roulent. Bon, allez, c'est pas grave. Je voulais pas forcément qu'ils rentrent. Ça fait pas mes affaires. Parce que du coup ça veut dire que là dans l'échappée il va y avoir un qui va rouler et l'autre qui va pas rouler. Ah, surtout qu'ils vont être trois là eux. Cette équipe là ils vont être trois là. Voilà, voilà ce que je veux faire, c'est faire 45 km dans l'échappée, dans les 90 derniers kilomètres. On y est presque, car j'ai une forme de moins 2, c'est dommage. Après on voit que j'ai quand même relativement des bonnes notes. Bah du coup en tant que baroudeur là c'est parfait pour moi, hein, vous voyez je suis fait pour être devant. Ouais, bon faut que devant ça roule pas trop fort. Hein. Là 60, vous savez quoi je vais mettre 55, puis on va accélérer. Oh bah attendez. Hop, voilà. C'est mieux comme ça. Donc vous voyez, il me demande de mettre une petite attaque dans une difficulté dans le dernier tiers de la course. Bon, le dernier tiers de la course... il a pas dû regarder le profil pour me donner ces ordres-là. Donc voilà le jeu, il n'y a pas de musique pendant qu'on roule, pendant qu'on est en course. C'est incroyable. Et pourquoi je suis tout seul à rouler? Il n'y a que Corinne sinon? Parce que je parle, mais faut que je reste concentré quand même. Gagne des succès. Bon, ça commence à accélérer, je vais suivre le mouvement. Après, ils ont l'air de tous rouler, c'est quand même bien ça.
C'est étonnant. Jarque, il est où Jarque? Il est en rouge, comme quoi il veut pas rouler. Il est là devant. C'est bizarre. Ou alors il veut rouler plus fort, il est pas dans le tempo. Est-ce que pour ceux qui connaissent pas, c'est ça, vert ça veut dire que c'est bon, l'entente est bonne, prends ses relais normalement. Souhaite relayer mais le rythme est trop soutenu, ne relaye pas pour l'instant. Je sais même pas qu'il y avait le détail comme ça, je sais pas si ça y était sur les autres avant. Fort conseillé pour rouler au même rythme que les autres. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. Moi, je tiens pas à rouler beaucoup. Moi, je vais les laisser faire. Je vais feinter que j'ai envie de rouler avec eux, mais en soi, pas vraiment. Allez, ça commence à attaquer. Voilà, je fais mon objectif petit à petit. C'est tout ce qui m'importe. Après, si je vois qu'on est bien parti pour faire une victoire d'étape, je vais tenter, hein, je vais me battre. Ok. Pour ça, je suis bien, je suis pas trop fatigué. Donc 10 km et c'est bon, mon objectif est rempli. En plus, on va être en descente, donc c'est bien. Derrière, je vois qu'ils sont en train de se scinder un peu. Donc peut-être qu'il y a des coureurs qui sont déjà un peu fatigués. Quoique quand je vois mes autres camarades, mes coéquipiers, c'est pas, ils ont pas l'air crevés. Alors on va rouler à 85. Ah, ici ça se fait différemment. Avant, ici ça remplissait une espèce de barre grise et puis après on récupérait. Là, il n'y a pas. Ah, donc il y a un changement. Y a un gros changement. Mais là, la barre ici elle commence à fondre là. Voilà, ça attaque visiblement. Vas-y, Pris. Non, c'est pas une attaque. Pas une attaque, mais ça roule très très fort. Attention, une attaque dans le groupe de Alors, par tête. contre, moi je veux plus prendre de relais, je vais dire 75. Et du coup, plus personne ne roule. Non, ça va attaquer. Ça tient, ça tient, ça tient, ça tient, ça tient. Ça tient plus. Eh ben, il il reste s'arrête jamais lui. exactement 15 km avant l'arrivée. Il s'arrête pas. Nouvelle attaque dans le groupe de tête. Ah, par contre, je vais pas tenir longtemps comme ça, moi. Ah, ils vont me lâcher, ils vont me lâcher. Est-ce qu'il y a moyen de réussir à faire quoi que ce soit avec eux là? Parce qu'en vrai, depuis tout à l'heure, le temps et le peloton reprend plus trop de temps sur nous, hein. Les coureurs approchent de l'arrivée. Ils viennent de franchir le panneau des 10 derniers kilomètres. Comme ils arrêtent pas de relancer constamment là. Enfin, c'est chaud quand même, hein, derrière. À mon avis, quand ils vont vraiment mettre en route, ouais, ils sont sur nous. Ah, ça, c'est une attaque qui C'est va faire des fini. dégâts dans le groupe. C'est fini, les gars, on Ces remballe. principaux sprinteurs ne laissent plus aucun bon de Hop, sortie. voilà, allez. L'étape va se terminer On se met par sur un le sprint côté. facile. Le Moi, peloton mon vient de objectif est rompre rempli. les échappées. Mais là, ici, il y a un changement de la barre, de la gestion de la barre ici. Très intéressant. Ça n'a pas l'air de remonter en plus, hein. On verra, on arrivera mieux à voir ça dans les montagnes. Il a
arraché la victoire sur ce sprint massif, il peut remercier ses équipiers qui l'ont amené dans de bonnes conditions. Allez, allez, allez. Oh, le ralenti. Un peu lourdingue des fois. Et là, c'est pareil. À voir. Est-ce que du coup, ça veut dire qu'après, j'aurais pu récupérer jusqu'à tout ça là de jaune et tout ça de rouge? Ça voudrait dire que la barre rouge, c'est pareil, elle s'épuise. Ce serait intéressant comme système. Ça me déplairait pas. Hop, le petit podium. Nous, on a fait quoi? Nous, j'ai un copain là, j'ai lui. 8ème. Pas forcément une bonne course. Après, voilà, moi j'ai fait mon taf. Première course terminée en continental. J'ai fait 18ème, je devais être dans le top 50, c'est parfait, ils sont contents. 80 km sur 45, ils sont très contents. Bah voilà, parfait. Modification du calendrier. Demande d'équipier. Ah oui, là ici il y a des conditions à remplir pour pouvoir demander des équipiers dans certaines courses. Donc avoir une satisfaction de 75% minimum. Ça c'est... Bon, sauf si vraiment vous n'arrivez pas à faire quoi que ce soit dans vos courses, mais ne serait-ce que remplir les objectifs qui vous fixent. Ça se remplit, ça se fait assez facilement, il n'y a pas trop de soucis. Atteindre le niveau 5, je suis actuellement au niveau 1, donc ça c'est réglé. Et être dans les 5 meilleurs... Ah, moi, de mémoire, c'était les 3 meilleurs. Peut-être changer aussi ça. Bon, actuellement, je suis 25ème, donc j'en suis loin. Voilà, du coup, après, on va faire celle-là. Oh, une wild card. On a accès à une course World Tour. C'est cool ça. Ah, attends, c'est laquelle? Strade Bianche. Ah oui, ils ont pas les licences, donc Classica Bianche. Voilà. C'est Strade Bianche. Les routes blanches. Très très belle course. Je pense que ça pourrait devenir d'ailleurs un monument. Je sais pas si c'était en... Si c'est envisagé. Je vais regarder. Ah, d'ailleurs, pour les courses, peut-être que je pourrais vous mettre une petite musique. Qu'est-ce que je vais mettre? Je suis sur Epidemic Sound. Epidemic Sound. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Mood. Mood happy, epic, dreamy, euphoric, laid back. Je sais pas ce que c'est. Quirky, je sais pas ce que c'est. Sad, non. Sentimental, bon, pas la peine. Mysterious, bon, non. Suspense. Relaxing, running, tiens, running. Hop, full running, solo instrument. Vas-y. Waouh, 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 waouh. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la messe. c'est la messe. Non, par contre, excusez-moi, mais c'est insupportable. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Quand même jouer un peu au jeu. Pour l'instant, je laisse ça comme musique. Elle est pas horrible. Je suis quoi, moi, d'ailleurs? Excusez-moi. Hein. Équipier. Ouais, équipier, tranquille. Vas-y, faire l'équipier. Hop, relayer seul, comme ça, je prends plus de relais. C'est moi. Et que moi qui roule. Cette musique est complètement en faux. On n'est pas raccord du tout avec le thème, mais... Attendez, je finis ma mission. Je suis à moins 2 en forme. Tiens donc encore. Putain, si mon gars il est jamais en forme, ça va être un problème. Hein. Hey, il pique mes relais. Il manquait 3 bornes. Vas-y, bah je vais te mettre du 70, moi, on va rouler, hein.
Voilà, j'ai juste 3 bornes à faire, les gars. Vas-y, je vais gruger. Non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. J'ai rien dit, laissez-moi rouler. C'était une blagounette. Ah, laissez-moi rouler. Je suis en train de m'épuiser. Attends, tu vas voir. Je vais me les faire mes 3 bornes, hein. C'est bon. Allez-y, maintenant vous débrouillez, les gars. Je vous laisse faire. Moi, je me cherche une petite musique sympa. Après, celle-là, elle est pas horrible, mais elle est un peu hors sujet, je trouve. Relaxing. Vas-y, pourquoi pas. Faut que ce soit un peu hors sujet aussi, mais bon. Moi, souvent, j'écoute de la musique épique, mais bon, après, il y a les goûts et les couleurs. En fait, j'aime mettre des musiques qui passent partout. Une fois, je m'étais fait avoir, j'ai mis de la musique qui était soi-disant libre de droit sur YouTube. Tu sais, en mettant No Copyright Song directement sur YouTube, dans la barre de recherche, quoi. Et le titre, d'ailleurs, de la vidéo que j'ai mis, qui durait 3 heures et quelques, c'était vraiment No Copyright Song, tout ça. Enfin bref, tout était raccord, quoi. Finalement, je me dis, c'est bon, je vais pas avoir de soucis. Ah, laissez tomber. Il y avait des copyrights partout. Alors, attendez. Je vais me faire lâcher. Je me fais lâcher. On va se battre. Allez. Hop. Le problème, c'est qu'on a que 58 en montagne, donc c'est un peu chaud. C'est chaud. Et vivant qu'on arrive en haut, hein. Johansen, homme, c'est énorme, hein. Il est chaud, le type, hein. Allez. Ouais, attendez, je sens que je vais me faire larguer là comme un con. Oula, la vulgarité, bah alors. Ah non, ça va pas, ça. On peut pas se laisser lâcher comme ça. Là, Payot, qu'est-ce que t'as foutu? Payot. Monsieur Payot. Je suis pas trop mal en descente, donc en vrai, il y a moyen que je rattrape. Je suis à 67. Après, il a l'air énervé aussi, lui. Hein. Vas-y, on va le laisser faire. Il a l'air énervé, le type. Allez. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les couleurs comme ça, en clair et saturé, moi je trouve ça vraiment chouette. J'aime bien quand c'est coloré de façon de manière générale. Je vais ramener de l'eau, je suis un équipier. Faisons l'équipier modèle. Et vous allez voir plus tard. Ce sera moi le leader. Enfin, j'espère. Un jour peut-être. Ouais, en base de baroudeur classique du course par étape, je pense que je serai assez rarement leader de course, mais bon. Ça qui est fun aussi. Par contre, je pense qu'il y a moyen que je sois assez régulièrement électron libre, par contre. Et ça, je crois que c'est encore mieux. Je crois que c'est vraiment un atout. Seul hic, c'est que les gens vont pas forcément vouloir me protéger d'office. Donc bon. Et du cool et du pas cool, quoi. Là par contre, la boss, on est d'accord, je la passe jamais. Hein. Là, je vais me retrouver tellement loin derrière. La barre jaune remonte là, vous voyez. Ah ah. Par contre, ce qui est cool, c'est que la barre rouge, elle est pas au max. Parce que je m'en suis servi. Ça peut paraître être un détail, et en effet, c'en est un, mais il est très important celui-là. C'est lors des étapes compliquées où il y en a, on les voit typiquement les punchers, les bons punchers, je pense à Charman, Alaphilippe, Hirschi, ils vont beaucoup plus dans les ascensions. Parfois, enfin avant ils arrivaient à suivre les meilleurs, mais ils utilisaient
beaucoup, beaucoup, beaucoup leur barre rouge. Et en fait, bah après, il y avait une descente, ils récupéraient de ouf leur, toute leur barre rouge, finalement, parce que ça remonte assez vite. Et ils arrivaient de nouveau à suivre, bon, sauf si c'était encore un gros col, mais généralement, ils arrivaient à suivre quand même plutôt bien, parce qu'ils se servaient de cette barre rouge, parce qu'ils montent beaucoup plus vite, avec, en utilisant leur barre rouge que les autres. Que là, ça va être plus compliqué, parce qu'elle baisse sacrément vite quand même. Donc ça, c'est vraiment bien, ça va un peu rééquilibrer les choses, je pense. Comme quoi, la note de montagne va être encore un petit peu plus importante que la note de punch. Ça va faire une plus grosse différence dans les étapes de montagne. Par contre, ouais, là, moi, montagne ou pas montagne, là, moi, c'est fini, là. Hein. La Christiansen hike, au revoir. Hein. Non, j'y crois pas, là. Après, c'est du rouge, après. Oh là 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 là. Catastrophe. Faut que devant ils arrêtent de rouler. Vous y croyez là? Ah, c'est fini. C'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Pff, ouais, c'est fini. Ah non, attends, là, je suis même plus dans sa roue à lui là. Attends, je vais rester avec toi. Ah, je vais essayer de rejoindre copain là-bas. Ils ont pas l'air de rouler très fort, quoi que je... Attends, j'ai du mal à voir. Ils ont l'air de vraiment vouloir rattraper... Ouais. Ah, bon, ça va être compliqué, alors. Bon, je vais rester avec toi, alors. Encore 15 km à parcourir. Oh, j'ai rien récupéré dans la descente. Terrible. En même temps, j'ai rien. Oh là là. Ah, coucou. Bon, bah, on va rester ensemble, hein, jusqu'à la fin, les gars. Allez. Bon, c'est plus trop intéressant, j'avance et puis on va arriver gentiment. Nous on a fini, après on a fait le taf, hein. Voilà, 20 sur 20, tout pile, donc c'est bon. 20 sur 20, moi à l'école, j'étais content, hein. Bon, ça m'est arrivé très rarement, mais ça m'est arrivé. Comme quoi, tout arrive, hein. Des erreurs de parcours, quoi. Et ils sont en train de me lâcher. On peut pas accepter ça. Par contre, c'est censé être une musique relaxante, mais là, tout là, leur pipeau, ça commence à me taper sur les nerfs. Hein. Je vais leur faire bouffer leur pipeau, là. Hein. Magnifique victoire en solitaire. Il l'a bien mérité. Ah ouais, je suis tellement loin, homme de talent. Oh là 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 là, ah, c'est dur. Hein. Bon, bah, on arrive comme on peut, hein. Qu'on est dans les délais, et c'est le cas. 58e. Bon. Vous allez voir, les premiers niveaux, on va grave step up. C'est ouf. Ah oui, pour ceux qui se demandent, le petit rectangle blanc sous Cyril Gauthier, entre Cyril Gauthier et Giovanni Leonardi, c'est tout simplement un russe. Ce qu'on a fait dans PCM 2022, ils ont fait comme dans la vraie vie, hein, ça va avec le contexte actuel. Les Russes n'ont plus le droit de faire partie des organisations des courses sportives de manière générale, dont le cyclisme. Et donc, bah, ils n'ont pas le droit de concourir. Ah, d'ailleurs, c'est. Oh, il y a écrit Russie. Il y a écrit Russie. Bref, et ils ont plus le droit, et donc tout simplement, il n'y a pas de coureur russe, d'accord? Il y a juste, du coup, le drapeau est enlevé. Ils ne courent pas sous les couleurs de la Russie, tout simplement. C'est d'ailleurs pour ça que, c'est en partie pour ça que Pavel Sivakov, il a accéléré la démarche pour passer français. Parce qu'il a la double nationalité. Mais avant, il concourait sous le drapeau russe. Et il savait pas trop s'il voulait changer ou pas, tout ce que j'avais compris, bon, j'ai pas trop suivi l'affaire parce que ça m'intéresse assez peu. Mais donc, il est passé français depuis. Il a eu raison, sinon il aurait pu être embêté pour certaines compétitions sportives. Là il fait pas beau, je prends un espèce de vieux son derrière, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, non mais attendez. C'est censé être relaxant ça?
C'est relaxant. Ça vous relaxe, ça? Attendez, c'est peut-être moi qui suis pas normal, hein. Je trouve ça horrible. Excusez-moi, je vais mettre un peu de musique épique, parce que là, je peux plus. Je sais pas ce que ça va donner, mais je pense que ça peut pas être pire. Alors, Cyanide Cup, on passe à l'étape 3. Enfin, l'étape 3, c'est pas des étapes, mais à la course 3. Ah, je devrais enlever la musique du jeu d'ailleurs, parce qu'il y avait celle du. Il y a la musique du menu. Oh, mais c'était quoi ce vieux bruit de fond là? Sans déconner. Pas que j'écoute de musique relaxante en fait, moi. À Wallonné. C'est donc sous un soleil radieux que va se dérouler la course aujourd'hui. Nous sommes Baroudeur, sur mon train d'échappée 85 km. Fais voir le profil là. Oh, ouais, c'est jouable, je suis à moins 1. Quand est-ce que je serai en forme? C'est jouable. Oh, faut que je remonte tout ça. Allez, allez, vous savez quoi? Allez! Allez, Christiansen! Allez, Ike! Ouais, Ike, c'est mieux. C'est mieux, ça sonne mieux comme ça. Allez, Ike! Allez! Allez! Allez, mon garçon! Allez, mon grand! Oui! Oui, oui, oui! Alors, attends, par contre. Je vais pas me flinguer de baba rouge trop vite, du coup. Toi, ça, c'est bien, toi. Vas-y. Je te suis. Et on nous laisse. Et ça, c'est merveilleux. On te suit. Hop, moi je reste comme ça. Je vous suis, les gars. Stock, allez, attaque. Enfin, attaque, fonce. Dupont. Pas celui qui a gagné la première étape. Genre Timothy Dupont. Eh ? Dans le peloton ? Ah non, hein. Ah non, 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 non. Attendez-moi. Ya, yeah, c'est bon. On a 30 secondes du peloton, c'est chaud, hein. Ouais, c'est bien, vas-y, fais un rideau. À toi tout seul. Un petit rideau. Nice. C'est bien. C'est bien. Oula, qu'est-ce que vous faites? C'est bon, on a 1 minute 30 d'avance. Parfait. Bon, les gars, si vous voulez vous rouler vite, c'est votre problème, mais moi. Tranquille, hein. Doucement, pas trop vite. Ah, je suis avec Bicra. Blicra. Blé. Bah du coup, moi je propose que je ne roule pas. T'es fort dans quoi, toi? Ah oui, j'en sais rien. Je ne le connais pas, ce type. Bah on va voir. De toute façon, je passerai jamais, moi. Il y a un monde où je passe ça, moi. Ah, en plus, c'est la même montée, donc on va déjà la passer une première fois. Côte de Viry, ouais. On va la passer une première fois déjà, donc on va pouvoir voir un peu ce que ça donne. Mais de toute façon, même parmi les échappés, à mon avis, je suis pas le plus fort, loin de là. Hein. Vu mes notes. La seule chance que j'ai, c'est comme en plus j'ai Blicra avec moi, c'est qu'il roule, moi je roule pas, tout simplement. Et tout le monde s'épuise. Et moi je fais rien. Ça se tente. La sangsue. Christiansen, la sangsue. Oula, doucement les gars, doucement. Ah ouais, j'ai pas aimé quand c'est monté, hein. Allez, c'est bien, récupère ta petite barre là. Clac, 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 clac. 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 Oui. 2 minutes. On n'a pas assez d'avance, hein. C'est trop petit comme écart.
faudrait grand minimum 3 minutes, mais genre 3 minutes, ouais, je dirais au sommet de la bosse. Ah ouais, mais c'est raide en plus, il y a une zone rouge, j'ai pas fait gaffe à ça. Et c'est qui là, le X-Men qui est en train de se ramener là? Vogero, le mec il est en train de tout remonter tout seul là. Le mec il se ramène, il est en train de tout remonter. Et il a pas l'air de s'épuiser hein. À quoi que ça se stabilise là. Enfin, il y a peut-être un moment où il a une limite aussi. Ouais, alors là c'est ici qu'on va peut-être pas rigoler. Là ça monte là. On est sur du 6%. Ouais non, c'est trop chaud pour moi là. Wouah, ma barre. La barre. Parce que là on monte pas à fond quoi. Enfin, moi je fais pas d'effort, je suis derrière. Hein. Ouh là 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 là. Comment ça, on a un copain derrière qui roule. Ah ouais. Ok. Écoutez, si j'arrive à bien me reposer, les laisser travailler comme il faut, il y a peut-être moyen. Ok, ça c'est passé crème. Alors là, ils sont plus beaucoup à bosser devant. Alors c'est pas bon signe, c'est un peu tôt. Bon, objectif rempli en tout cas. Objectif rempli. Allez, Blikra. On est 10, what? Ah mais les nouveaux, le problème c'est qu'ils sont crevés. Ah mais il donne tout lui hein. Une 45. Faut que ça... Ouais, c'est chaud. C'est chaud. C'est bien les gars, roulez. Une minute. Il roule vite Dupont là, Timothy là. Mais j'ai pas mal d'énergie encore. Ah j'y crois un peu là. Hein. Allez roule. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Je crois que c'est le moment, faut y aller. Ah ils nous ont repris. Essayez de faire ça à la fraîcheur. J'y crois pas trop, je sais pas si je peux accrocher un... Peut-être un top 20, ouais, on est 32, un top 20 ça me semble gérable. Je me dis qu'il y a peut-être avec la fraîcheur, ils sont peut-être pas tous en forme. Moi j'ai que 59 quoi. Hein. Allez, Rosa. Un top 10 se profile. Attendez. Ah. Allez, le top 10. Allez. Avec Christiansen. Et c'est maintenant. Faut passer Ruiz là. Un top 3. Ah non, il est trop loin. J'arriverai pas à le choper. Quatrième. Nice. Allez, devant toute la journée, quatrième. Avec une belle musique en plus. Allez, c'est la teuf. Allez, quatrième. Non mais attends, je suis trop content là.
Sur un profil comme ça en plus. Merveilleux, merveilleux. Voilà, c'est ça que j'attends avec ce coureur finalement. C'est qu'on n'est jamais attendu, mais on peut faire des petits trucs quand même. Et là après on est au niveau 1 sans déconner, 4ème sur une étape niveau 1. surtout en ayant pris l'échappée. Ah je suis content là. Hein. Avec 64 de vallon, ça peut faire la différence là. Hein. Ouais. 33 secondes, dans le même temps que. Et après Diego Rosa, bon amour, c'est quand même pas n'importe quoi. Hein. C'est même Stéphane Rossetto, je suis passé devant quoi. Incroyable. Incroyable. Premier top 5 et premier top 10. Merveilleux. Exceptionnel.